Eh bien, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette troisième et malheureusement dernière émission de la quotidienne du banquet, puisqu'effectivement, les congressistes sont petit à petit en train de quitter l'île Grand Palais. Ils auront donc l'occasion de nous écouter sur la route. On espère qu'ils auront de nombreux messages pour nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de nouveau par Clairvy. Bonjour Clairvy. Bonjour. Comme hier... Et comme les autres jours, nous vous rappelons que cette émission est interactive. Que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, nous dire si vous êtes sur la route, comment vous avez apprécié le congrès, etc. etc. Je vois à l'image, Julien, qu'on a oublié d'enlever nos boas du carnaval. Oh là là, effectivement, Clairvy, je pense que ça ne fait pas très sérieux. Un peu plus sérieux. Nous recevons Désolé. Du beau monde aujourd'hui en plus, donc de ce fait-là... La fête a été longue hier. Exactement. Et nous n'avons pas regardé. On n'avait pas la tête, on avait la tête ailleurs. Du coup, dans le chat, je vous propose, pour commencer cette émission, de nous dire si vous avez regardé l'émission d'hier et qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais aussi, qu'est-ce que les trois émissions vous donnent envie de faire dans vos centres dans les 10 ans à venir. Exactement. Donc hier, on a reçu de nombreux messages dans le chat. On espère que... Ce sera encore le cas aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes sur la route, dans le train, dans les minibus, alors bien sûr pas ceux qui sont en train de conduire, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou, nous envoyer un petit message. Mais tout de suite, nous allons faire un petit retour sur ce qui s'est passé hier soir. Comme on vous disait, c'était des grandes festivités. Quelques images pour commencer l'émission du carnaval. Oui, Jim. Super, c'est super sympa et trop bien, il y a du monde. Quelle ambiance. Alors je vous avoue qu'à titre personnel, en tant que Dakarquois, c'est une certaine fierté. Quel plaisir d'avoir vu toutes ces délégations vraiment pleinement jouer le jeu. Et quand on voit ces retours, ça fait vraiment chaud au cœur. On accueille sur le plateau Marc Dassonville, vice-président de la Fédération du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Marc. Alors Marc, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'organisation de cet événement? Comment s'est organisé l'accueil de toutes ces délégations? Je suppose que ça a été un gros travail. Oui, un gros travail
Il y a un peu plus d'un an. Hein. Je pense que déjà le premier challenge, c'était de trouver les espaces qu'il fallait pour accueillir tout ce monde. Parce qu'on savait que ça allait être, en tout cas, l'objectif qu'on s'était donné. Hein, que ce soit un congrès vraiment qui marque. Hein, qui, puisque bon, c'est peu, on se retrouve que tous les 10 ans dans un congrès. Donc tant qu'à faire, faisons en sorte que ça soit exceptionnel. Donc c'était déjà le premier élément. Après, ben, effectivement, une organisation qui s'est combinée aussi bien avec la fédération, la FCSS, donc la Fédération Nationale, et la Fédération Nord-Pas-de-Calais, avec aussi nos amis Picard un petit peu dans l'organisation. Donc voilà, donc je pense que ça a nécessité de faire aussi de faire des choix en termes d'organisation, puisque vous vous doutez que ça c'est venu s'ajouter au fonctionnement de la fédération ou des fédérations. Hein. Mais je pense que au final, même si c'est vrai que ça a pris du temps, de l'énergie, en plus quand on voit les images qu'on vient de revoir, bah, écoutez, on a envie de dire c'est bien, tant mieux. Et on est tout à fait content d'avoir déjà réussi ces temps-là. Voilà. C'était une belle réussite. Alors, tu as cité les équipes. Comment elles ont travaillé, justement, ces équipes? Et comment cet événement a été vécu en interne? Alors, il y avait deux approches à avoir. Hein. On sait qu'un événement comme ça, et vous l'avez vu, et vous êtes bien placé pour le savoir, ça nécessite quand même des dimensions techniques d'organisation conséquentes. Donc, il fallait là trouver dans la façon de préparer ce congrès. Donc nous, on a fonctionné avec ce qu'on appelait des lots, hein, mais voilà. Donc un petit peu sectoriser tout ce qui devait composer la réussite de ce congrès pour le mener. Le deuxième approche, c'est qu'il fallait pas non plus oublier, on est centre social. On est d'abord dans des quartiers avec des habitants, qui sont acteurs de ces centres sociaux. Et il fallait effectivement trouver l'équilibre de façon à ce qu'ils soient aussi présents et acteurs de ce congrès. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu des images, on a démarré ce congrès le jeudi après-midi, place de la République. Et je crois que le moment fort de ce lancement, c'est qu'il y avait vraiment sur cette place de la République, hein, au-delà de 500 personnes, surtout des bénévoles, des usagers de centres qui étaient là pour échanger entre eux, partager et partager surtout ce moment d'ouverture. Donc voilà. Donc je pense qu'il fallait toujours être dans ces deux dimensions. Et je pense que les banquets citoyens et ce qui a suivi les banquets citoyens a permis de continuer à être un petit peu dans cet aller-retour et dans cette construction partagée entre des territoires et effectivement une dimension d'organisation centralisée autour des équipes de la FCSF et de la Fédération Nord-Pas-de-Calais. Et justement, comment tu penses que le public a ressenti cet événement? Ben, je crois que pour partie, alors c'est mon avis, mais que pour partie, ce qu'on a vécu hein, dans ces moments un peu de liesse, d'allégresse, je rappelle aussi le concert d'hier soir avec HK, hein, bon, en plus on se doutait bien que ça allait marcher, puisque c'est quelqu'un qui est d'ailleurs très proche hein, de nos valeurs, mais au-delà de ça, c'était une bête de scène, comme on dit, donc il s'est aussi emmené les foules. Je crois que c'est ça, je pense que tous ces éléments-là, je pense le repas citoyen à 4000, vous voyez, c'était une gageure pour nous, c'était une gageure aussi pour le prestataire, hein, qui était pour la première fois dans cette dimension de 4000. Et les retours qu'on a pu avoir, encore hier soir, quand tout le monde est parti du concert, bon, on s'est permis et on a pu partager un petit peu, donc il y a eu une petite haie là où je pense que les congressistes et les compagnons ont pu effectivement voilà, se retrouver. Et dans les retours, visiblement, on pense que les congressistes repartent avec certainement plein de belles images et aussi certainement plein de belles rencontres. Alors, honnêtement, Marc, j'ai le même ressenti que toi. Donc, ben voilà. Clairvis, je pense que même toi ressenti, aussi. Même je pense ressenti. Que toi aussi. Et j'allais dire que vos chats, enfin, tout ce qui va passer par le réseau de communication, je l'espère, viendra confirmer tout ça. Et après, je pense que c'est j'irai tout ce moment partagé qui me paraît essentiel, quoi, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et un événement de cette taille-là, ça demande une implication assez énorme sur le territoire des partenaires. Hier, nous avons eu la possibilité d'interviewer Antoine Silani, qui est conseiller régional de la région Hauts-de-France. L'interview ne va pas passer dans cette émission en direct, mais elle est sur notre chaîne YouTube et vous pourrez aller la revoir. Il nous a parlé notamment de l'implication des centres sociaux sur le territoire de la région Hauts-de-France et l'importance du lien entre les politiques publiques et les centres sociaux.
c'était aussi un événement qui, j'ai l'impression dans le chat, a l'air de faire réagir. Exactement. On a des réactions un peu partout. Il y a Nat qui nous dit c'est génial, merci pour ces échanges, ces rencontres, cette ambiance. Maxime dit que c'était des émissions qui étaient top. Merci beaucoup, Maxime. On va continuer à lire vos messages. Il y en a un peu plus. Il n'est pas de votre famille, Clairvin. Non, non. Je ne crois pas. Ou alors il a un pseudo. Mais pour continuer dans cette ambiance et pour continuer à parler de ces émotions, on va accueillir tout de suite la chronique que vous connaissez bien maintenant, l'entremets des banquets. Alors, c'est non sans émotion que nous accueillons... C'est non sans émotion que nous accueillons Nicolas pour cette dernière chronique. Nicolas, tu vas beaucoup nous manquer. Ouais. Salut Julien, salut Clairvy. Avant de commencer, vous avez posé des questions à plein de monde, mais moi j'ai encore une question à vous poser. Après 3 jours de banquet, 3 jours de congrès, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Fatigué, mais pleine d'énergie pour la suite. Oui, je suis un peu dans le même état d'esprit. Il nous reste cette dernière émission, mais c'est toujours un plaisir de la présenter. Mais c'est vrai que ça a été intense à tout niveau. C'est mon cas aussi, je suis assez fatigué. Mais bon, aujourd'hui, on va parler fête, célébration, joyeuseté. Un carnaval hier, vous l'avez évoqué. Un concert, des remerciements émouvants ce matin dans une plénière. Ok, tout ça m'a un peu donné le poil. Donc dans ce dernier entremets du banquet, peu d'analyse d'image. Peu de théorie, peu de rhétorique, on va surtout profiter. Hier, on a festoyé, on s'est couché tard, on s'est levé tôt ce matin, on a des têtes dignes d'un troisième jour de congrès. Les images valent mieux qu'un long discours, et le concert de HK était exceptionnel. Vidéo. Merci HK pour les frissons et merci aux 4000 congressistes pour l'ambiance de dingue. Maintenant, petite rétrospective de ces 3 jours de congrès. On a donc eu des plénières passionnantes, des ateliers avec des intervenants intéressants, des spectacles en tout genre, de la danse, de la musique, des fanfares, des porteurs de parole, big up aux jeunes, et je me sens tellement vieux en disant ça, de la politisation, des hommes et des femmes qui prennent la parole pour agir ensemble, on l'a encore vu ce matin. Et pour moi, ça, c'est la plus grande des émotions. Tout de suite en images. Vidéo. On a vraiment vécu un délicieux congrès. Avant de vous laisser, je voulais remercier Hugo qui m'a vendu cette chronique contre une heure de mon temps en 3 jours. On y a passé plus de 10 heures. Tu m'en dois une. Hein. Trêve de galéjade, merci à la team Web TV, nos reporters. Big up donc à Hélène et Maxime pour les images et les reportages. Merci à Pauline pour le plateau, aux caméramans, à la régie, à tous ceux qui ont fait que ça s'est super bien passé. Merci Julien, merci Clairvy, merci à Anouk aussi pour hier. Longue vie aux centres sociaux. À bientôt.
Merci beaucoup Nicolas, mais ta petite dédicace me rappelle vaguement quelque chose. En tout cas, quelle ambiance ce banquet final. Il est sûr que les centres sociaux et les fédérations savent travailler fort, mais ils savent également s'amuser. Et maintenant, si on célébrait l'avenir, Julien. Car Tariq Touaria, président de la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France, nous a parlé un petit peu du projet, du réseau pour les 10 années à venir et de comment on allait le construire. On l'écoute dans cette vidéo. On part sur un projet fédéral. Là, on vient de clôturer le précédent projet fédéral, la Fabrique des Possibles, qui avait été imaginée à Lyon en 2013. Et là, on va définir ensemble, on va valider ensemble les grandes orientations de ce projet. Quelle société on veut ? Une société vers une transition écologique, sociale et solidaire et démocratique, une société qui accueille tout le monde, une société où tout le monde trouve sa place et peut construire collectivement des solutions. Enfin voilà, tout un tas de choses autour de la place des centres sociaux dans une société plus désirable, parce qu'elle a besoin d'être clairement plus désirable. Finalement, le pouvoir d'agir est toujours d'actualité. Bien sûr, le projet fédéral actuel, on ne le clôture pas. Évidemment, le renforcement du pouvoir d'agir, ça devient un de nos fondamentaux. Simplement, on réaffirme avec ce nouveau congrès une visée de transformation sociale autour de démocratie et justice sociale. Alors on le voit, encore beaucoup de chantiers qui s'ouvrent pour l'avenir. Justement, pour en échanger un petit peu, nous accueillons Vanessa Jom et Sarah Chion. Alors vous êtes respectivement déléguée générale et déléguée générale adjointe de la Fédération Ardéchoise, si je ne me trompe pas. Bienvenue parmi nous. Alors vous sortez tout juste, c'est le cas de le dire, de la plénière de clôture du congrès, dont la thématique était « Construire ensemble notre avenir », justement. Alors, avec une animation un petit peu particulière, une animation à 4000, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu et nous dire comment ça s'est passé ? Peut-être vous parler du fait qu'il y a quelques mois, Tariq et Hugo sont venus nous voir en nous demandant si ça nous intéressait d'animer un temps pendant cette clôture, cette plénière de clôture, pour que l'ensemble des participants puissent s'approprier le projet fédéral et donner de l'ambition sur les 10 prochaines années. On s'est regardé avec ma collègue et on s'est dit, banco, on y va. On y va parce qu'on sait faire, on y va parce qu'on sait faire du débat, ce qu'on a appelé débat sur la route. On expérimente ça depuis 3 ans en Ardèche, en associant du vélo, parce qu'on est ardéchois, et qu'on croit aux mobilités douces et à l'écologie, et des débats citoyens, parce que là aussi, on croit dans de la démocratie participative, horizontale, avec les personnes, qui qu'elles soient. Donc effectivement, on a dit oui, et on a construit l'animation de cette plénière en demandant carte blanche à la Fédération nationale. Ils nous ont fait confiance, et ça a donné ce qu'on a vécu ce matin. Alors effectivement, on vient d'arriver, on sort de la plénière, on est encore toutes ébouriffées de ce qui s'est passé. Peut-être donner la parole à Sarah pour qu'elle nous dise... Un petit feedback. Un petit feedback, on sort avec plein, rempli d'intensité, rempli d'énergie, parce qu'on a demandé aux gens, dans un premier temps, les mots qui restaient pour eux de la proposition du projet fédéral qui était faite, et du congrès, et les mots démocratie, transition, solidarité sont sortis en gros. Ont été écrits par les 4000 personnes. Et là, comment, justement, je me permets, parce que comment les gens donnent les mots à 4000 ? Alors, il y a un site internet qui s'appelle Slido, et par Slido, ils ont répondu. Ça, c'était la première étape, où du coup, ils ont pu, en direct, dire, en fait, nous, ce qui est important pour nous, c'est ça. Et quand on connaît le contexte social, 4000 personnes qui vous envoient sur un grand affichage, et vous êtes sur scène, et là, vous voyez le mot démocratie en énorme, le mot solidarité, du coup, ça vous remplit d'énergie, et c'était hyper facile de continuer et de repasser à la deuxième étape, qui était un débat populaire à partir d'une phrase clivante et qui a fait bosser toute la salle. C'est ça qui était un peu spécifique dans notre animation. Et du coup, qu'est-ce qui ressort de cette question clivante, justement ? Qu'est-ce que vous ressortez de cette plénière ?
D'abord, j'aimerais bien qu'on revienne sur la méthode. Parce qu'effectivement, juste une petite parenthèse, hein. Après l'animation, je suis allée aux toilettes. Alors tout ce qui est dit sur internet reste sur internet, hein, bien sûr, donc évidemment ça reste entre nous. Mais dans les toilettes, j'ai 6 femmes qui m'ont dit oh, c'est génial, mais comment on peut faire ça pour faire ça chez nous, quoi. Et là en fait ça nous donne tout le sens de notre travail, nous, les délégués des FED, en se disant l'impact d'animer quelque chose comme ça dans un congrès, c'est de se dire que c'est possible. Et c'est possible de faire ça sur tous les territoires, qui que vous soyez, des centres sociaux, des EVS, des FED, la démocratie participative horizontale et citoyenne, c'est ça. Et du coup, il y a quand même un intérêt à expliquer la méthode. La méthode, c'est de se dire qu'un débat réussi est un débat où un maximum de points de vue sont échangés et entendus, avec certaines règles de bienveillance, d'écoute, prendre sa place, toute sa place, mais rien que sa place, avec un animateur ou une animatrice par petit groupe. Et c'est de faire travailler les gens, non pas sur quelqu'un qui parle avec des gens qui écoutent, mais de faire travailler en petit groupe. Et c'est ce qu'on a tenté à 4000 et c'est ce qui a marché à 4000. Et du coup, les gens se sont mis en petits groupes pour discuter. On leur a donné du temps, un espèce d'écrin de bonheur, comme ça, d'intelligence collective pour discuter entre eux sans avoir à se convaincre, sans avoir à faire de consensus ni de restitution. Parce que dans les centres sociaux, on est hyper fort pour faire des restitutions qui servent à rien. Là, on leur a dit, on va pas le faire parce que ça sert à rien. Donc, amusez-vous, faites-vous plaisir, discutez de politique. Et on a travaillé autour d'une phrase politique à dessein clivante que Sarah va vous redonner. Du coup, on voit en tout cas que voilà, vous êtes rodé. Hein. Finalement, magnifique. On n'a pas besoin de vous. Vous pouvez aller boire à l'apéro hein, parce que nous, on a soif. C'est exactement ce que j'allais dire. Je vois que c'est impressionnant. Du coup, la phrase qu'on a choisie avec le collectif, évidemment, d'organisation, c'est le réseau des centres sociaux et des EVS, eh ben, ce sont des idées fortes portées mollement. Et vous voyez que c'est une phrase qui fait un peu, qui fait écho, qui vous touche. Vous dites « Ah ben non, je suis pas d'accord. » Ou alors dites « Ouais, moi je suis un peu d'accord. » Et c'est ça qui fait débat. Et c'est important que la phrase soit vraiment clivante. Du coup, dans ce petit écrin, ils ont échangé. Moi, je peux vous donner un témoignage sur scène. On était sur scène, il y avait aussi des gens qui échangeaient sur scène, mais on entendait la ruche, on entendait les gens débattre dans la salle. Alors c'était une sensation. On s'est dit « Non mais voilà, on est au cœur de l'éducation populaire, là, on est en train de le vivre. » Et puis ensuite, il y a eu les prises de parole. Et la prise de parole notamment des jeunes qui ont revendiqué une place. Et du coup, ça a permis aussi de montrer que quand on fait un débat, ça fait sortir en fait, de l'énergie, de l'envie d'agir. Ça permet à des gens de prendre une place qu'ils n'avaient pas prévu de prendre parce que ce n'était pas prévu. Et pour ça, on s'est dit qu'on avait quand même foutu le bazar, ça c'est clair, mais plutôt réussi notre mission. Merci beaucoup. Merci, mesdames, déjà de nous avoir rejoints à peine sorti parce qu'effectivement il y a quand même un peu d'adrénaline, il y a quand même intervenir devant 4000 personnes, ça fait toujours quelque chose. Bon, nous on a l'habitude hein, devant des millions d'internautes des millions qui nous d'internautes, regardent quotidiennement, au moins ça. Mais on va vous laisser aller boire un verre, prendre le temps de finir ce congrès avec vos délégations et tous les amis qui sont encore là. Merci beaucoup et à bientôt. Vous, en tout cas. Bonne à bientôt. Au revoir. Merci et comme tout à l'heure, vous nous en devez une. Oui, voilà. Avec Hugo, plaisir. C'est pour toi. Hein. Avec plaisir. Et donc justement, ça fait le lien puisque participer, c'est également agir. Regardons un petit peu quelques images de l'atelier autour du pouvoir d'agir qui s'est déroulé hier soir. C'est à vous. Tout à l'heure, en fait, j'ai parlé de la colère et de reconnaître la capacité que les personnes ont à s'organiser collectivement. Donc nous, concrètement, sur le terrain, ça s'est traduit par la mise en place de réunions publiques avec des formations au préalable pour tout le monde sur comment on anime un groupe, comment on prend la parole publiquement. Beaucoup de réunions publiques qui ont été préparées par un groupe de femmes qui s'étaient aussi préparées à prendre la parole dans des groupes non mixtes, des réunions publiques, des porteurs de parole, des actions un peu coup de poing devant la mairie, des manifestations. Depuis 2 ans, la mise en place d'un collectif qui aujourd'hui est devenu une association. Les personnes se sont organisées, ont pris la parole sur des sujets qui les concernent, ont mené des actions comme elles l'entendaient et se sont présentées face aux partenaires institutionnels et politiques et ont réussi à faire entendre leur voix, sans la médiation des professionnels. Je dirais qu'il y a 2 points principaux. La première chose, c'est sur les thématiques.
En fait, toute thématique qui concerne les habitants, c'est de notre ressort. Voilà. Souvent, moi, j'ai entendu dans ma structure, le logement social, c'est pas de notre ressort. La santé, c'est pas de notre ressort. Il y a d'autres associations, il y a des institutions. C'est de se dire, à partir du moment où la problématique très concrète est abordée et présentée par les habitants, eh ben, il faut s'en emparer, il faut l'accueillir telle qu'elle. Deuxième chose, c'est, en fait, il y a des freins, c'est beaucoup des freins qu'on a, nous, en tant que salariés. Des freins parce qu'on se dit que ces thématiques-là, on ne les connaît pas, mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste. Et l'idée, ça va être de cheminer avec les habitants, d'apprendre ensemble, décortiquer les choses. Et souvent, c'est vrai qu'on se met des freins et du coup, on est des fois dans des stratégies d'évitement. Des fois, on se réfugie. Moi, je vois sur des démarches d'aller vers, hors les murs. Souvent, les animateurs me disent « Ah, il nous faut du matériel. » Voilà. Des fois, on n'ose pas directement se confronter à quelque chose qui fait peut-être un peu peur, alors que c'est de la relation humaine. Et donc, on a beaucoup à travailler aussi sur nos postures. Alors, on le voit, même si le pouvoir d'agir était au cœur du précédent projet fédéral, comme le disait Tariq tout à l'heure, il sera toujours là pour les 10 prochaines années. Et même encore plus, je pense. D'ailleurs, en parlant de pouvoir d'agir, on a un petit message de Nadia qu'on remercie, qui a trouvé ce congrès au top, qui remercie la Fédé nationale, toutes les fédés régionales, les centres sociaux et EVS et tous les bénévoles investis. Donc ça nous fait plaisir, Nadia. Merci pour, pour ce message. Alors, et bonne route à toi. Mais bonne route à toi, exactement. Sur le chemin du retour. Exactement. Alors, nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Isabelle Fouché. Vous êtes membre de la direction générale collégiale de la FCSF, c'est bien ça ? C'est ça. Merci à vous de votre accueil. Alors, tu viens de finir la plénière, Isabelle, et tu as pu présenter pendant cette plénière et travailler avec 4000 personnes les futurs axes du projet du réseau des centres sociaux. Est-ce que tu peux nous parler de ces 5 grands axes ? Oui, absolument. Donc, on était heureux de pouvoir arriver à ce congrès avec des propositions de grandes orientations à faire au réseau, aux 4000 congressistes. Et ce travail, il est issu notamment de la collecte des banques et citoyens qui a beaucoup nourri les réflexions du groupe projet national. Et donc, on a finalement, il y a 5 axes effectivement qui ressortent de tout ça. Le premier, il est transversal à l'ensemble du projet et il est central. C'est la transition écologique, citoyenne et solidaire. Donc, on l'a appelé comme ça parce qu'il nous semble qu'une transition écologique ne peut pas se faire sans les personnes et ne peut pas se faire sans tenir compte des inégalités qui existent. Ça, c'est le premier. Et ensuite, on a deux axes qui concernent la justice sociale. L'un autour de l'enjeu d'un meilleur partage des richesses, l'enjeu de mettre fin à la pauvreté et l'enjeu de continuer de travailler sur l'équité entre les territoires. Et l'autre axe sur la justice sociale concerne plutôt la reconnaissance de chacune et de chacun et de la place qu'on a dans la société, de ce que chacune, chacun peut y apporter. Il s'appelle une société où chacun trouve et prend sa place. Et là, on voudrait porter plus fort des sujets autour de la lutte contre les discriminations et les rapports de domination qui existent aujourd'hui dans la société. Il y a aussi la reconnaissance de la richesse de notre diversité et notamment de notre diversité culturelle qui fait partie de cet axe-là. Et enfin, donc les deux derniers axes, on va dire, sont autour des enjeux de démocratie qui sont cruciaux aujourd'hui, avec d'une part l'idée de se dire que les centres sociaux jouent un rôle, et ça s'est vu avec les banquiers citoyens, jouent un rôle et peuvent jouer un rôle encore plus important dans le débat public, dans ce que Vanessa et Sarah nous décrivaient là, de notre capacité à animer du débat et à faire qu'on vive la démocratie ensemble par ce débat. Et enfin, autour de la démocratie, il nous semblait aussi important, il ressortait très fortement des banquets, l'idée qu'on a besoin d'une société qui repose sur l'engagement, sur l'action collective, sur l'ensemble des formes en fait, dans lesquelles des personnes peuvent se rencontrer et agir ensemble. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ce projet va sortir, être voté ? On se donne combien de temps dans le réseau là pour le mettre en place ? Alors, donc ce matin, on a eu un échange hein, sur l'ensemble de ces axes. On va repartir de ce qui est sorti de cette délibération que Vanessa et Sarah ont animée. Et ensuite, on se donne l'année prochaine, à partir de
peut-être pas demain, mais voilà, une fois qu'on sera reposé de ce congrès. On se donne en tout cas juste après le congrès et jusqu'à notre Assemblée Générale en 2024 pour continuer d'affiner ces axes-là, qu'on les formule d'une manière qui parle au plus de monde possible, parce qu'on a envie que ça soit un projet de réseau dans lequel l'ensemble des entités du réseau se reconnaissent. Donc on va continuer d'affiner ce socle politique dont on a parlé ce matin, et on va construire une première feuille de route pour la FCSF pour décliner ça en fait très concrètement et que le réseau puisse aussi intervenir sur les priorités qu'on se donne pour cette déclinaison du projet. Merci beaucoup Isabelle. On te laisse aller profiter de la fin du congrès avec tous les compagnons. On sent que ça a été travaillé, tous les axes sans une seule note. Félicitations Isabelle. Merci beaucoup d'être venue. Alors, sans transition... Nous allons, Jacques-François Marchandise, chercheur indépendant, nous a lui aussi parlé du pouvoir d'agir. On va le retrouver tout de suite dans un petit reportage. Le numérique, c'est du pouvoir. Et ce qui est intéressant depuis le début, c'est qu'on a connu un numérique très porteur de promesses en matière de partage de la valeur, en matière de technologies ouvertes et bricolables, et en matière aussi d'enjeux sociaux très prometteurs sur le plan éducatif, sur le plan tout simplement d'ascenseur social. Si j'ai pas de diplôme, je peux avoir des trajectoires qui sont pas prévues, etc. Et ça continue. Un numérique émancipateur, c'est un numérique vecteur d'autonomie dont on peut s'emparer, qui nous accompagne dans des choix, qui nous accompagne pour faire des choses qui seraient impossibles sans ces moyens-là. Et aujourd'hui, en fait, il y a des chemins à trouver si on veut potentiellement que le partage du numérique soit entre les mains de beaucoup de mains. Par exemple, tout simplement par les logiques de coopération, tout simplement par les logiques construction de l'estime de soi, le fait de réussir des choses avec les pratiques numériques. Dès lors qu'on est dans un champ de pratique et pas un champ de consommation, ça change tout. Dans un champ de pratique, on va pouvoir s'exprimer, aller vers des pratiques artistiques, aller vers des pratiques politiques. Le travail avec les centres sociaux est très stimulant parce que du fait de l'ancrage de l'idée du pouvoir d'agir, on peut espérer, non pas réparer, mais transformer. Et donc, ce sur quoi on peut espérer que les centres sociaux aillent dans les années qui viennent, c'est par exemple considérer que quand on accompagne des personnes en difficulté, c'est pas la personne le problème. C'est souvent le dispositif en face d'elle qui fonctionne pas, et que potentiellement on gagnerait fort à s'appuyer sur son expérience et son expertise de ses propres galères. Accompagner la personne, mais aussi s'occuper des cadres collectifs, pouvoir de, pouvoir avec, et aussi espérer de la transformation politique plus large. Moi, c'est vraiment l'ambition dont je pense que vous êtes un des acteurs capables de l'apporter, à cause de votre maillage, à cause de votre capacité aussi d'alliance. Il y a un chemin vers un numérique choisi plutôt qu'un numérique subi. Et c'est un chemin qui va passer par le fait de construire de l'autonomie et de se débarrasser de tout ce qui nous crée des dépendances numériques. Donc construire de l'autonomie, ça veut dire parfois non pas plus de numérique, mais mieux de numérique, et mieux, c'est parfois du moins. Faire des choix qui vont être des choix d'abord plutôt sobres, des choix qui vont plutôt s'appuyer systématiquement sur des formes collectives. Je pense qu'il faut se méfier en fait de tout ce qui va nous réduire à l'individualité. Et donc, dans tous nos choix de vie quotidienne, le fait de passer par des cadres collectifs, ça nous aide, ça aide les autres. C'est pas les publics qui sont éloignés du numérique, c'est le numérique qui est éloigné des publics. Et donc, potentiellement, investir sur un numérique qui se rapproche des publics et accessible, baisser les exigences numériques et arrêter de penser qu'il va suffire de former les gens pour résoudre les problèmes que nous générons, qui faisons le numérique et nous qui faisons les politiques publiques. Et
Et confiance, transition, accompagnement, c'est clairement le nouveau projet fédéral, en tout cas les cinq axes qui sont posés. On a rattrapé Isabelle parce qu'on avait encore une question à lui poser. Isabelle, même comment... Plusieurs. Ouais, on va faire une et après on te laisse partir. Comment on met en action ces transitions dans les centres sociaux pour plus de justice sociale? Oui, alors les transitions sont un sujet qu'on travaille de plus en plus dans les centres sociaux. On sait tout le développement des actions, dont Jacques-François parlait, autour du numérique. On sait aussi le rôle des centres sociaux dans la transition écologique. On sait que dans les approches des centres sociaux, il y a l'humain au cœur. Et dans le numérique, par exemple, on participe à un collectif qui s'appelle « Numériser sans déshumaniser ». Et on se rend bien compte, en fait, des limites du tout numérique et l'importance du rôle que peuvent avoir les centres sociaux pour accompagner les personnes et se donner des points de repère, se former pour pouvoir aussi s'approprier ces outils. Mais les outils numériques ne font pas tout et on s'en rend bien compte au quotidien. Sur la transition écologique, on a fait un colloque l'année dernière sur ce sujet et on s'est rendu compte que les centres sociaux ne rentrent pas forcément directement par la question écologique. Ils arrivent à la question écologique par des sujets qui se posent dans le quotidien, en fait, pour tout un chacun, que ce soit en termes de logement, d'alimentation, de besoin d'entraide et de partage, de mobilité. Et ça, c'est aussi une de nos particularités, c'est d'entrer par des questions sociales et des sujets qui préoccupent les personnes. Merci Isabelle. Alors, également, lors du congrès, Jean-Benoît Dujol, le directeur général de la cohésion sociale, s'est exprimé un petit peu sur les actions et les liens avec les centres sociaux. Nous allons l'écouter tout de suite. Ce qui nous intéresse au premier chef du côté de la DGCS, sa proximité avec le territoire et sa volonté de partir des besoins des personnes. C'est ça qui me semble être au cœur du modèle et qui du coup rencontre, je le disais à l'instant, notre façon de voir les choses, nos conceptions des politiques publiques et puis recoupe aussi nos domaines d'action. Et leur présence, notamment dans les quartiers politiques de la ville, me paraît évidemment un levier crucial pour assurer l'autonomie, le développement des personnes. Et je pense en particulier à d'autres domaines d'action dans lesquels nous sommes plus particulièrement partenaires, c'est la petite enfance. Et il me semble que les centres sociaux ont vocation à prendre une place importante dans le futur service public de la petite enfance que nous apprêtons à mettre en place. En tout cas, je le souhaite. Et aussi, et c'est deux domaines qui sont très connectés, le soutien à la parentalité. La fonction parentale, elle a besoin d'être étayée, accompagnée. On sait que c'est pas toujours facile, notamment dans les milieux populaires. Les centres sociaux sont un recours, une ressource, un lieu d'accompagnement des parents dans ces situations. Et pour nous, ça fait partie, pour citer que deux exemples, des domaines dans lesquels je souhaite qu'à l'avenir, on puisse investir ensemble. Le levier d'intervention, le levier d'action, le levier financier d'intervention sur le territoire en matière de politique sociale, c'est la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses d'allocations familiales. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que l'animation de la vie sociale, comme le service public de la petite enfance, puisse trouver des voies et des moyens de financement dans le cadre de cette convention pour qu'on puisse accompagner le développement de l'animation de la vie sociale, notamment dans les quartiers. Je faisais un tour dans les stands tout à l'heure avant que nous nous rencontrions et je prenais connaissance du plaidoyer sur les personnes âgées et la lutte contre l'isolement. Ça rencontre des préoccupations très directes pour la DGCS, puisqu'on est en charge aussi de la lutte contre la perte d'autonomie, le financement des EHPAD, des résidences d'autonomie, la prise en compte aussi du virage domiciliaire. Et parmi les fléaux qui affectent les personnes en grand âge, il y a l'isolement. Cet isolement, il est dramatique pour les personnes. Il induit aussi un vieillissement accéléré. On sait que le défaut de stimulation aussi provoque sur le plan clinique en fait une aggravation de la situation de la perte d'autonomie. Et je sais que les centres sociaux sont très actifs pour maintenir au premier sens du terme le lien social. Et ça, on souhaite aussi avec vous, avec l'autre caisse, la cinquième branche de la sécurité sociale, la CNSA, pouvoir accompagner une action résolue partout, et notamment dans les quartiers, en relais avec les centres sociaux, pour lutter contre ce fléau de l'isolement qui est catastrophique. Je pense que les centres sociaux de demain, c'est un vrai hub de services et une fabrique du lien social au cœur des quartiers. Encore une fois, là où d'autres ressources font défaut, c'est un très bel outil. Il mérite d'être mieux connu, mieux financé, mieux soutenu. Et j'espère pouvoir du coup se développer dans de nombreux domaines. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et je forme pour les 10 ans qui viennent, en tout cas, des vœux de succès et de croissance pour les centres sociaux et l'animation de la vie sociale.
on l'a entendu dans les propos de Jean-Benoît Dujol, le maillage, faire réseau, on est vraiment là pour le coup raccord avec le projet fédéral. D'ailleurs, il parle de petite enfance, de soutien à la parentalité, enfin voilà, tous ces sujets. Alors c'est vrai qu'à titre personnel, en tant que directeur de centre social, c'est forcément des sujets très présents dans le quotidien. Isabelle, quand on vous entendez faire réseau, pour, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Sur, pardon, ta question, oui, elle est sur faire réseau, pas sur l'intervention de Jean-Benoît Dujol, oui. C'est ça. Ah, ok, ok. Faire réseau, alors c'est énorme, c'est les trois jours qu'on vient de vivre. C'est tout ce qu'on est en capacité de se raconter et de capitaliser entre nous pour que les bonnes idées et les actions qui sont menées à un endroit ou à un autre puissent se diffuser et être partagées. Faire réseau, c'est être divers. Et on est hyper riche de notre diversité. À chaque fois qu'il y a un sujet qui se pose et qu'on recherche une expérience de centre social sur le sujet, à chaque fois on en trouve évidemment et on en trouve même plus que ça. Donc c'est notre diversité. Et faire réseau, c'est aussi essayer d'aller dans une direction commune, être à la fois avec notre diversité et direction commune, c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on est en train de construire avec ce projet fédéral et qu'on avait déjà construit sur la décennie précédente avec la Fabrique des possibles. Voilà, pour moi, c'est ça faire réseau. Merci beaucoup Isabelle. On va accueillir maintenant Camille pour le festin culturel parce qu'elle va nous parler de pédagogie, de culture, de jeu. Et c'est un point fort dans le réseau des centres sociaux. Voici le festin culturel. Bonjour Julien, bonjour Clairvie, bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce dernier festin culturel. Pour cette dernière édition, nous avons donc fait le choix de parler du jeu, de l'importance du jeu dans les centres sociaux. Outil de l'éducation populaire, outil d'apprentissage, le jeu est aussi un vecteur de lien social que les centres sociaux utilisent, notamment dans l'Allée Vert. Et les centres sociaux itinérants que vous avez pu découvrir devant le Grand Palais, durant tout ce congrès, ont pu également montrer tous les outils qu'ils utilisent pour aller vers les habitants. Du latin jocare, jouer signifie d'abord plaisanter, badiner. Au travers du jeu, les centres sociaux ouvrent des espaces ludiques pour les familles, créent des espaces effectivement d'accompagnement de la parentalité. On parle ainsi de ludopédagogie. Avec le numérique et le projet des centres sociaux connectés, c'est également développer la gamification, notamment avec des jeux vidéo par exemple, mais aussi l'installation de bornes d'arcade dans les centres sociaux. Retour dans le passé donc, eh bien oui, parce que force est de constater que les jeux en bois de jadis ont toujours autant de succès et à tous les âges. Le jeu est aussi un moyen que nous utilisons pour accompagner le développement du pouvoir d'agir des habitants, la mallette de la participation des Pays de la Loire par exemple. D'innombrables jeux existent créés par le réseau fédéral, notamment sur notre histoire avec Mémo Réseau ou encore Retour vers le passé. Et durant le congrès, vous avez pu vous amuser à échanger vos vignettes Panini, spécialement créées pour l'occasion des 100 ans de la Fédération, Big Up Holoculture. Vous avez également pu découvrir à l'espace ludothèque du congrès, animé par Lone Plage et le Petit Poussé de Valenciennes, des jeux de cohésion d'équipe, d'autres pour sensibiliser sur la lutte contre les discriminations. Regardons ensemble. Pour clôturer cette chronique, soulignons que la culture permet de nous célébrer, de nous réunir, de nous amuser, de créer des espaces accueillants et conviviaux. Regardons ensemble les images du carnaval festif d'hier et laissons place à ce que les congressistes en ont pensé. «
c'est très bien, c'est super sympa. Et je pense que les gens se sont bien déguisés pour faire la fête. Et c'est le principal. Génialissime. En un mot, c'est bien. Eh ben, je connaissais pas, c'est sympa, la musique, elle est endiablée. Et c'est un moment de communion avec tout le monde. Tout le monde est à l'unisson, on s'éclate et c'est génial. C'est la fête. Allez, la balle. Une si petite bulle culturelle pour une immense richesse dans le réseau. C'était un plaisir de partager toutes ces initiatives avec vous. Et n'hésitez pas à consulter toutes celles dont nous n'avons pas parlé, les films documentaires, les livres et toutes les créations en tout genre de notre réseau. Bravo et merci à tous et on lâche rien. Merci beaucoup Camille, merci d'avoir suivi cette émission 3 jours avec tes festins culturels. Isabelle, est-ce que tu as un mot à dire pour les centres sociaux, pour les motiver pour la suite? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour donner un élan à la suite de ces 3 jours de congrès? Bah alors le on lâche rien que vient d'évoquer Camille, on l'a beaucoup entendu suite au concert de HK hier soir, donc c'est vraiment ça sonne un petit peu comme un slogan. Et moi j'ai envie de dire au réseau, on a vécu un moment fort, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de partage et il y a eu une énergie folle dans ce palais des congrès là pendant 3 jours. Donc j'ai envie de vous dire, quelle chance on a eu de vivre ça, quelle chance on a eu de partager ça. Partageons-le avec d'autres qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas pu venir. Gardons cette énergie et diffusons-la à notre tour chez nous, dans notre centre social, dans notre fédération. Poursuivons le mouvement qu'on a engagé là tous ensemble à 4000 ce week-end. Merci beaucoup Isabelle. Merci Isabelle, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors, merci à tous d'avoir partagé cette émission avec nous pendant ces 3 jours. Alors, vous pouvez poursuivre le congrès sur la chaîne YouTube ou sur le site de la SSF. On vous met les liens dans le chat. En parlant du chat, on a même un message d'Haïti, de Bardo, donc on la salue. Voilà, de manière générale, on vous remercie tous. Je tenais à remercier également, comme l'a fait Nicolas tout à l'heure, l'ensemble des chroniqueurs, l'ensemble de la technique. Ça aurait été une première pour moi à titre personnel, mais merci aux techniciens, merci à Pauline, merci à Triple C. J'irai pas jusqu'à dire merci à la fédération qui m'a obligé à devenir présentateur télé. Je plaisante bien sûr, c'était une belle expérience. Merci à toi Clairvie également. Merci Julien, merci d'avoir suivi la quotidienne du banquet tous les jours depuis vendredi. On espère que vous avez passé un bon congrès pour ceux qui étaient là, un bon congrès en ligne pour les autres. Vous retrouverez toutes les ressources. On voulait aussi remercier Anouk qui a présenté hier, Hugo, Florian, Pauline, Denis, tu m'en dois une aussi. Et Triple C bien sûr, merci beaucoup et à dans 10 ans. À dans 10 ans, à très bientôt, au revoir.